Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Nous venons là pour nous présenter by nation, hein. Cri. Ça veut dire cri national. C'est un cri national. Cri national là, c'est qui prend forme une pétition. Parce que nous-mêmes, tant qu'on nous te dit, et nous redit, et nous continuons à dire, nous n'avons pas gagné. Pays n'a pas gagné pour être avec trois accords. Car soi-disant, il fait une dans Louisiane. Je fais crier d'avance. Je fais crier bonnet. Peuple haïtien. Le nous considérer pays d'Haïti, c'est ti bout de terre. Zansèt nou yo te mouri, kite pour nous. Après yo te fin verse sang yo, nan bataille pour liberté. Devant colon blanc criminel, sans kè, sans conscience, qui t'a prêté esclave minou yo, pi mal, parce que bête sauvage. De, le nous considérer depuis 1804 à journée jodi ya, colon yo déguisé, yo déguisé yo, sous toute forme, yo prend toute couleur, yo employé toute stratégie pour yo détruire pays ya. Et yo même monté yon syndicat qui relè corps groupe et allié pour yo capable ensemble éliminer souveraineté pays ya. Et puis séparer richesse sous sol nous tant coup chien choual mouri, tant qu'un chien qui n'a choual mouri. Les nous considérer, y aurait si joindre en pile frais accès nous, qui pillait, qui volait, qui gaspillait, qui vend richesse pays à. Comme exemple, nous qu'a cité l'agence IRH. Après tremblement de terre, 12 janvier 2010, l'agence Petro-Caribé. Ak an pil lot gros fonds qui te ka aide pays à développer. Le nous considérer l'homme président Jovenel Moïse, c'est une tentative pour touye tout espoir peuple là, oligarchie ak syndicat diplomate malfecté organisé gros réunion dans pays Canada sous prétexte y a vinn aider insécurité que yo programmé. Mais nous considérer toute manœuvre ça yo, c'est pour yo masquer peuple là et puis empêcher vrai auteur intellectuel crime sous président joindre ça yo mérité devant la justice. Mais nous considérer nous connaît c'est seul peuple là qui connaît la qui misère lié les petites lits pas qu'à l'école, pas qu'à manger, en haut pas monter, en bas pas descendre. Malheureux et malheureuse a couru sous place. L'hôpital pas qu'à fonctionner. Jeune pays a, aux abois. Personne pas qu'à décrire situation pays a. Je dis à moun a tombé, bon ici, bon là-bas. Même la police qui l'a pour servir à protéger ta épargne. Pays a tourné, yon l'enfer, yon l'abattoir. 7. Les nous considérer toute qualité injustice. Diaspora, qui c'est poumon économie pays, a subi en bas main bandit, qui a volé terre, qui a volé caillou, qui a touillé, à complicité la justice, oligarchie, pour qu'a décourager, pour faire pas venir investir dans le pays. 8. Les nous considérer, bamboche démocratique, qui commençait depuis 86, enterré pays à pifon, dans sous-développement brigandage, crime, toute qualité, vol, viol, corruption, kidnapping, séquestration et latrier. Peuple pas capable encore. Peuple haïtien pas capable encore. Doit grandir nous comme peuple libre et indépendant menacé. Et nous considérer tous les trois pouvoirs qui partagent souveraineté pays dysfonctionnel,
aucune institution, quitte lycée social, quitte lycée politique ou religieux, pas de petite crasse crédibilité dans le peuple. Là, nous considérons, c'est dans la misère peuple, l'idèle, sorti, c'est l'esclavage qui fait des salines pousser. Nous demandons dans quatre coins pays pour nous camper, pour nous couper fâché avec sa résignation, pour nous monter, quand sommes-nous comme garçons ou femmes, pour nous dire non à l'insécurité, jeunes garçons ou jeunes femmes, anciens et nouveaux militaires FADH, agents de sécurité, jeunes brigadiers, policiers, dans la grande danse, dans le sud, dans le NIP, dans le sud-est, dans l'ouest, on nous marchait sous Matissan pour nous dire Matissan, gang Matissan, pour nous dire gang yo, nous pas peur, c'est bon nous. Dans le grand nord, dans le nord, nord-est, nord-ouest, dans le centre Antibonite, l'ouest, marcher sous quoi de bouquet, Maozo, nous pas peur, c'est bon nous. De pays nous, c'est pour nous lier. C'est dans mais nous, destin nous lier. C'est pour nous forcer armée d'Haïti, actif, réserve, qui se fondateur nation, base édifice national, colonne vertébrale nation, et monter en chaîne civil militaire au gradé avec. Pour que le pays ait un jeune militaire qui prend charge pays pour réorganiser le pays. Parce que Nèg sa, le gouvernement Ariel, pas d'intérêt, pas de moralité, crédibilité pour désarmer les bandits. Parce que l'on finit à mon nèg, il fait travail pour vous. Il fait travail pour vous. Ou bien pas de moralité pour désarmer pour bandit. Cependant, monsieur militaire, pas aucune redevance qui partent à mes bandits, que chaque fois il y a des problèmes, qui crée le pays ça. Qui c'est colonne vertébrale nation, qui c'est fondateur pays, il y a une responsabilité morale pour rétablir l'autorité de l'État, pour nous venir à l'État qui est fort, qui est capable d'organiser l'élection, remettre le pouvoir à un gouvernement qui sortit dans une élection libre démocratique. Par rapport à ce qui passe dans l'immigration américaine, non? L'homme sorti dans le pays Nigeria. Et ça ne va pas regarder moi, Jean Charles seulement. Mais regardez tout le pays, regardez tout le peuple haïtien, qui haïtien vivent ici ou bien dans l'autre pays. Et moi-même, quelle que soit la contradiction, je suis toujours avec le monde, mais ça concerne tout le monde. C'est la République, non? Tu es invité à venir ici à 1h. Malheureusement, tu as des difficultés pour nous arriver là à 1h. Mais nous cassons notre rendez-vous. Et le rendez-vous arrivé, je m'a dit en détail, et pour qui ça m'intéresse pour me deviner là. Mais pour le moment, je finis pas avec un groupe sénateur qui pourrait partir. Et ça qui là, moi le président sénat est là, moi vice-président qui est là, moi grand pile là qui est là, nous parler et nous casser rendez-vous pour les 10. Les 10 m'a présent ici. Hein. Qui te gagné sur tout réseau social et même à travers la presse, c'est une information qui te fait quoi que l'ex-sénateur John Joel Joseph, arrêté à la Jamaïque, ta détenteur de deux passeports différents, Youn qui te l'a non propre avec identité et on l'autre qui était là casse on l'autre nom mais avec même identité. Donc dossier ça a tellement été fait par les délits rapidement assemblée sénateur yo te saisi au des dossiers.
et comme l'exige la Constitution, eh bien, Bureau Sénat t'est monté en commission spéciale qui était composée de sénateurs Garcia Delva, sénateur Jean-Hugo Bédizère et sénateur Patrice Dumont. Après recherche, nous déjoignons que M. Joseph Joël John, les détenteurs il était détenteur de 7 passeports. Avec dans toute existence, il était déjà gagné 7 passeports. Donc, 4 passeports personnels, 2 passeports diplomatiques, 1 passeport officiel. Après toute analyse, toute recherche, eh bien nous-mêmes au niveau de la commission, nous n'avons pas gagné aucun autre passeport en plus qui était fait dans non pas. Et nous t'es à partir des photos, parce que tout le monde dit l'autre passeport a gagné en l'état fait sous un autre nom et avec identité li. Nous t'es demandé directeur pour tester photo pour nous avoir si d'autres informations ou bien d'autres passeports qui t'a émettre sous identité sous un autre et sur l'autre nom, eh bien, à partir des recherches, nous pas tout. En conclusion, information qui fait quoi que ex-sénateur John Joel Joseph pas capable de posséder un autre passeport qui émet le nom en l'autre monde ou bien en nom de une tierce personne avec identité par lui. Information ça, li fausse et infondée. Dans le cadre ou agenda que le Sénat a défini pour rencontrer les membres de l'exécutif préoccupés par cette situation, le sénateur a demandé bureau via le président sénateur Lambert pour t'inviter le ministre de la Santé et ministre planification pour une rencontre d'échange. Malheureusement, rencontre ça se doit faire hier là. Le ministre n'est pas présent. Santé, plus de 50-60 médecins t'a quitté. Oui. Nous sommes très préoccupés par l'information ça. Parce que nous connaissons l'importance. Médecins cubains à port au poté au niveau sanitaire pour la population. Notamment, les paysans paysannes qui sont en dehors, qui sont en milieu rural. Là, parce que la brigade médecins cubains travaille tout bas, dans tout le monde, dans toute commune. Ça t'a frappé, nous, MTV, à poser question à ministre Lassène, qu'on connaît. De quoi il en retournait. Et c'est un point de débat avec le ministre de la République là. Qui disposition qu'il prend pour protéger la population carcérale là? Ça dit monde qui est en prison. Non seulement à Port-au-Prince, mais partout en Haïti, dans toutes les prisons d'Haïti. Et ça te discuté maintenant, nous pensons que même si. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons développé cette stratégie sanitaire là, mais nous pensons que nous avons invité le ministre de la Santé publique là pour prendre disposition, pour entamer une campagne de vaccination pour tous les prisonniers. Parce que tout partout nous entendons que la population carcérale est énorme. C'est-à-dire que par espace, c'est pour nous sous l'autre. Donc depuis que nous avons gagné deux carrières, en plus nous avons gagné le corona. Et ça que fait le département d'elle, et comme nous avons pour le venir, nous avons demandé s'il ne parle d'elle, pour nous faire une grande campagne de vaccination pour vacciner tous les prisonniers contre le corona et le personnel qui est en contact avec les prisonniers, que ce soit major prison, l'autre monde qui l'a donné. Ceci tant d'apport au prince, pénitentiaire national et dans toutes les prisons des 10 départements géographiques du pays et des communes
du pays. Il y a de gros problèmes dans le pays, hein? Notamment ouvriers dans tout le pays, hein? Notamment dans le parc industriel, il y a Caracol, PIC, et également au niveau des codes de vie dans Wanamet. Et je crois par rapport à un gros problème, grand goût qui gagne dans tout le pays, hein? Gros problème d'insécurité qui gagne dans tout le pays, hein? Côté gagne environ quatre départements qui bloqués, eh bien, il y a une question de et manifestation au niveau du parc industriel. J'ai l'impression que c'est abscès sous clou. Abscès sous clou. Et gagné un ouvrier, ça a gagné 4 à 5 jours qui déploient un bal caoutchouc. Information qui vient de joindre, eh bien, il est décédé dans l'hôpital Milo, dans le niveau nord. Et il gagné plusieurs arrestations et la police de fer, gagné plusieurs mondes qui en garde à vue et à Fort Liberté. Nous estimons que le gouvernement qui l'a, en particulier le Premier ministre Ariel, il faut que normalement il soit capable de prendre responsabilité. Parce que le parc industriel de Caracol simplement gagne environ 14 000 personnes. C'est sûr, pas gagner force de l'ordre au niveau du département. Hein? Les gens ont décidé de faire des ordres, pas gagner force de l'ordre qui est capable eh bien, réprimander les gens. Eh bien, c'est pourquoi, Jean-Président, lui-même, il a dit là, non seulement moi-même, j'ai demandé, Président, pour que normalement, il y ait une délégation sénatoriale qui descende au niveau de Caracol, ainsi que Côte Vie et à Wanamet, mais également, j'ai demandé pour te inviter, et le ministre des Affaires sociales là, pour te venir dire, nation, dans qui prend yoye avec question ça. Que prérogative que constitution bail à sénateur, à député, qui c'est une branche pouvoir ou bien pouvoir dans l'État, lit clair et sans équivoque, avec bien sûr en nuance. Nuance là, c'est parce que nous pas en majorité suffisante pour nous convoquer et interpeller et sanctionner. Mais ça n'a pas retiré le droit que nous gagnons pour nous continuer à contrôler. Parce que même de facto que le gouvernement ça y est, les sénateurs légitimes qui, je ne veux dire, en place dans les 10 sénateurs, il y a une autorité suffisante pour être capable de ministre, inviter un ministre pour nous parler, inviter le premier ministre pour nous parler tant qu'il te répond à l'invitation avant hier. Tant que le ministre Arsène Fell dit que le PAC a venu, il voyait toute information à nous. Et bien, il y a la latitude tout pour que si ministre, si vous avez le ministre ou bien le chef gouvernement, il choisit pour que il nie totalement toute invitation que le BAO, sans que il pas justifié pour que ça ne pas venir, nous gagnons possibilité tout, ou nous-mêmes, au niveau du Sénat de la République, pour nous adopter des résolutions, informer la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de l'argent qu'a dépensé et dont le monde qui a engagé l'État et qui a dépensé l'argent de l'État a refusé de venir par devant les honorables sénateurs pour être capable de rendre compte. Et puis là, ça que nous dit et que dépenses que le ministre a engagé pour l'État, eh bien, lui-même n'est pas engagé, nous-mêmes, l'Assemblée des sénateurs, même réduit à 2 sénateurs, à 3 sénateurs, voire que nous sommes à date 10 sénateurs. Et deuxièmement, on peut aussi demander à l'ULCC d'ouvrir une enquête, demander aussi à la Cour supérieure des comptes
d'aller auditer, parce que la Cour, même réduite que nous y a, il redevable par devant nous. Parce que la Cour travaille pour l'Assemblée des sénateurs. Et quand la Cour travaille pour l'Assemblée des sénateurs, les 10 sénateurs qui constituent à date l'Assemblée des sénateurs, capables de solliciter la Cour à n'importe quel moment. Moi-même, ancien député 50e législature, Jean Wilson Hippolyte, j'ai participé dans le sommet Louisiane, dans le pays États-Unis, sorti 13 pour arriver 19 janvier 2022, comme président CESOC, dans la tête d'une délégation pour te répondre à l'invitation de diverses personnalités et institutions de la diaspora qui sont aujourd'hui porte-parole accord unité Louisiane. Même Jean, l'autre 10 accords, tu es invité tout. Parce que c'est 11 accords qui existaient dans le pays qui déjà fait proposition sous crise là. Et il y a 2 accords qui étaient choisis, ils n'ont même pas participé, qui c'était Montana Penn, qui sont seuls, et accord 11 septembre. Et de l'autre accord, Montana Penn, et accord 11 septembre, Vinchita avec nous. Ou bien, invitez-nous, Chita avec yo, pour joindre une solution pressée. Côté tout acteur fait dépassement pour aider Haïti sortir dans trou lié journée jodi a en bas violence, en bas insécurité, kidnapping, corruption, impunité et la trier. Nous profiter occasion pour nous féliciter toute personnalité et institution qui te prend initiative réaliser sommet Louisiane pour faciliter haïtiens continuer chita ensemble. Chapeau bas pour diaspora qui pas jamais lagué Haïti dans tout moment difficile yo. C'est pour ça que je dis diaspora doit impliquer plus toujours dans décision qui apprend dans intérêt pays d'Haïti. Haïtien tout partout sur la terre, Kachita, n'importe côté, pour discuter sous problème Haïti. J'en sa fait déjà, parce que nous songez à quoi Governors Island, à quoi Cartagène dans Colombie, à quoi New York, et la trier. Côté haïtien habitué chita ensemble en dehors pays a sous invitation diaspora ou bien partenaire international yo. N'a précisé après sommaire nous rencontrer à deux gros personnalités dans le département d'état américain. C'est madame Jennifer Spendi qui est directeur bureau département d'État américain sur Haïti, John Petroski, qui est secrétaire bureau député dans le département d'État pour zone occidentale. Pour diaspora, pour ça le représenter pour Haïti, personne pas qu'à contester droit ça les gagner pour impliquer dans les affaires pays et aider à chercher une solution ensemble avec nous qui vivons dans le pays d'Haïti. Yon l'autre pas. N'après dit encore, je ne j'ai dit, aucun secteur en Haïti n'a pas de solution pour contre pour sortir le pays dans la crise. Là. Dans ce sens, nous même représentons 9 accords qui présent là, je dis. Nous lançons un appel à tout l'autre compatriote qui dans Montana Penn à 11 septembre à l'autre groupe organisé à institution qui engagé sous terrain pour nous chita ensemble pressé pour nous entendre nous sur route nous devons prendre
pour commencer à remettre l'État campé et puis travail pour l'institution reprendre ce campé. Nous avons demandé tout groupe et institution organisée pour nous mettre ensemble. Dans le gros combat, ça, d'un coup, accord Unité Louisiane, Montana Penn, 11 septembre, Tiers Sénat comme institution, Conférence épiscopale, la presse, Conférence Baroyo, Forum secteur privé, secteur paysan, vaudou, catholique, protestant, association professeurs et étudiants, et la trier pour nous sortir avec un seul accord qui c'est accord tête ensemble pour Haïti. N'a fini pour saluer effort partenaire international yo a fait pour aider haïtiens joindre une solution dans consensus pour joindre bout de crise là. Mais toujours songer, c'est haïtien qui est bien placé pour chercher et puis joindre plus bonne solution pour problème pays d'Haïti à traverser depuis longtemps déjà. Qui vient plus grave depuis notre date 7 juillet 2021, côté criminel local et international qui mette ensemble pour assassiner le président Jovenel Moïse Lacaille. Vive Haïti, vive démocratie, vive peuple haïtien. Dans l'exposé des pays qu'on fait là, le postman n'est pas déjà. Je dis à pas aucun groupe qui a une solution pour contre vous. Ça important, c'est que nous mettons ensemble. Donc nous, 9 là, manquer 2 pour arriver 11, nous disons, on pense aujourd'hui avec le congrès de la Cayenne. On fait un deuxième congrès pour nous capables de baptiser à bon final là, à bord de l'unité d'Haïti. C'est ça que ça. Donc nous pensons que nous avons un bagage qui est important pour le monde comprendre. Ce n'est pas le monde qui a parlé de fort qui a toujours des raisons. Ce n'est pas le monde qui pense que c'est eux-mêmes qui ont gagné au final là, qui prend devant la scène là des raisons, mais je dis à son prise de conscience généralisée, son dépassement de soi, j'en fais là, nous inviter au fini pour qu'ensemble nous une solution, pour apprendre aux solutions aujourd'hui, pour la vie à la situation de l'unité de l'Ouest. C'est ça le message là, c'est tête ensemble, coller les épaules, en avancer pour retirer le pays nous, en tant qu'Haïtien. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, pour tes cap, tendez. Des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.